Zanmi famille Anoué Lakay, la police prend un gros mafia qui était affecté dans palais national que pays était aveuglement et coué dans compétence li. Et bien Jean-Renel Pierre, un policier dans quatre team. Donc qui était dans sécurité résidence là, Jean que nous te dire, et bien et la police dans Pétionville en opération filature, et bien yo arrêté monsieur, yo joine 2695 cartouches, 237,000 gourdes avec plusieurs téléphones mobiles, mais accusation qui gagne la donne trafic d'armes à connexion avec un gang craché d'effet. Donc arrestation ça c'est une partie dans effort PNH pour combattre un gang qui menace la vie sociale. Pendant même journée ça amis famille nous yo, donc gagne autorité dominicaine yo donc qui annonçait yo démantelé un réseau qui trouve yo dans police nationale yo hein? Donc réseau ça qui gen gros chef rivé dans policier qui piba k'ap vann zam k'ap vann munition OK k'ap vann munition zami famille Anoué Lakay donc arrestation ça montre nous donc facilité qui gagne pour munition rentrer dans pays ya. Donc c'est autorité dominicaine a dit c'est la police qui impliqué nan trafic de munitions et nous voyons que nous avons des policiers par nous qui impliqués dans le trafic de munitions. Donc c'est avec facilité que gang yo même yo joignent munitions pour que yo fonctionne zami famille nou yo. Yon l'autre côté mercenaire envahi institution publique yo côté que conseil présidentiel là convoqué premier ministre Garry Conille pour une explication que premier ministre lui-même pas présenté. Il y a montré des accords division qui existait dans mi-temps exécutif là, mais faut que nous dire zami famille Anoué Lakay, faut que nous mettions nous d'accord que ni Garry Conille ni conseil présidentiel là yo mettez tête yo ensemble pour yo finir avec anti respect ça nan fait menje yo sou insécurité capable monter ak violence en gang yo ak yon crise alimentaire qui vient plus grave que Jean Kelité. Pour nous essayer comprendre ça qui a passé dans exécutif là, nous pral faire entendre Jean-Michel Lapin, yon ancien premier ministre qui pral éclairer l'antenne nous sur ça qui a passé donc nan exécutif là. Mais avant on garder quelques éléments d'information qui ont rapport à l'élection présidentielle États-Unis côté et nous gain en pile compatriotes cap vivent aux États-Unis que avenir dépend de résultat élection ça yo et bien selon yo article de journal Miami Herald yon million sans papier cap vivent à Floride risque déporté si Donald Trump président cap gain grave conséquence sur économie état Floride zami et famille nou yo et bien plan déportation et Trump lan, yon rapport estimé que plan massif déportation Trump lan ka la cause yon million moun en Floride, soit yon sou chaque 20 habitants sibi déportation. Dans tout le pays, plan sa visé déporter 13.3 millions immigrants sans papier si Trump a retourné comme président zami famille Anoué Lakay. Pas économique que déportation ça pral gagner donc sous États-Unis, sous état Floride. Et bien rapport ça qui sorti dans American Immigration Council souligné gros conséquences économiques sous Floride et États-Unis. Déportation massive ça a coûté au moins 315 milliards de dollars et puis diminué GDP États-Unis chaque année jusqu'à 6.8%. Eh bien perte en taxes, eh bien déportation immigrants sans papier yo et t'a vle di yon gros perte en contribution taxe yo qui était monté presque 77 milliards de dollars en année 2022 qui sont passé. Ça a mené problème pour joindre fonds services importants en cours éducation ak soins santé et puis menacer stabilité sécurité sociale ak Medicare. Ça t'a amené yon gros manque à travailler avec augmentation prix marchandise yo et dans état Floride les amis et famille yo et présence à long terme immigrant yo donc un pifo immigrant yo sans papier yo té dans pays hein, donc depuis 10 ans et yo contribué dans communauté hein, yo gen famille et puis yo supporté économie américaine donc en position campagne Trump là. Donc en campagne Trump plan poko bay détail effectif sur plan spécifique sur plan ça mais li montrer yon décision
et li di sou immigration et fait qu'on est et que immigrant sans papier yo ta doué tant pour yo déporter si Trump retourner et président. OK, si Donald Trump retourner président, yo met tant pour yo déporter. Donc yo basé résultat ça yo, donc en sous donné dans bureau recensement avec l'autre donné fédéral qui montrait rôle important immigrant sans papier yo joué dans États-Unis. Donc en amino yo. Donc ça veut dire que si Donald Trump li déporter tout monde sa yo, donc 13.3 millions a bien gagné 315 milliards de dollars que États-Unis ont perdu. Américains yo actuellement là, donc yo gagné en pile qu'est sauté sur démocratie États-Unis. Eh bien, ils ont perdu confiance dans démocratie hein. Mais américains yo presque dans moitié dans électeurs américains yo gagne doute sur efficacité démocratie hein, yo pensaient que système là et pas représenter bien citoyen ordinaire yo. Donc d'après un sondage à New York Times, Sierra College a fait ta croire que électeurs pensaient démocratie en menacé avec opinion divisée selon tendance politique là. Corruption avec un intérêt élite yo, et bien majorité électeurs pensaient que gouvernement a travaillé pour intérêt personnel li avec un élite yo au lieu de intérêt général. Ça qui la cause yon frustration avec un pète confiance dans le système et politique là, les amis et famille yo. Donc situation li vraiment vraiment compliqué donc aux États-Unis. Donc sous question de démocratie hein. Donc un problème économique avec la division sociale, donc électeurs yo exprimé frustration à cause inflation et conflit culturel avec la crise géopolitique. Donc en pile monde en tant que Tyra Jackson et Taylor qui obligé à aller dans banque alimentaire, donc malgré li gen yon revenu décent, donc li gen travail qui paye l'on ti jan bien mais qui pas ka et gérer famille et trop bien que ça. Eh bien, il est obligé d'aller dans la banque alimentaire. Donc, il montre faiblesse à gouvernement pour répondre à besoin de base. Donc, on a un appel pour changement. Eh bien, il y a une majorité de 58% dans l'électeur qui croit que le système financier et la politique a besoin d'une grosse réforme, au soit pour réimaginer net, pour repenser net en amis. Qui confiance que qui gagne dans l'élection 2024 là? Donc, presque 80% électeurs qui gagnent la donne républicain, démocrate et indépendant croient que le résultat élection présidentielle 2024 là donc fiable. Donc ça a présenté une amélioration comparée à l'année 2022. Donc accusation à méfiance, côté méfiance ça a sorti. Et bien américains ont critiqué en pile média et réseaux sociaux pour influence négative sur la démocratie. Les républicains ont blâmé démocrate et machine de vote que yo mette en place avec l'autre institution, tandis que démocrate yo koué Donald Trump comme yon menace principale pour démocratie. Eh bien, qui a sauté sous acceptation tout résultat élection yo, parce que grand pile moun qui était koué, donc Donald Trump pas pral accepter s'il perdi. Eh bien, gen 60% et électeurs qui paient que Donald Trump pas accepter résultat élection yo s'il t'a perdi. Aka presque moitié inclut quelques républicains gen ke sauté et pour li ak allié li yo pour essayer renverser élection et par moyen illégal. Mais gen un discours de division donc qui fait nation ça vienne puis divisé, donc yon nation qui polarisé. Donc Trump li décrit quelques américains comme l'ennemi en dedans, bien que pi fort nan partisan li yo considéré électeur et adversaire comme un citoyen qui a une opinion différente. Cependant, 60% électeurs yo dit que Trump a aggravé donc en division yo. Pendant, yo tiers pensaient que problème yo tellement grave que pays a échoué. Approché pour lui échouer net. Donc c'est ça que et opinion yo yé donc États-Unis dans moment que n'a parlé là pendant que élection yo a pas date élection a pas approché de 5 novembre qu'a venir là pour nous connaître qui est ça qui va prendre tête à pays. On t'a déjà annoncé Jean-Michel Lapin donc qui va essayer donc commenter éléments d'actualité ensemble avec nous. Donc depuis après la mort et Jovenel Moïse, nous venons gagner Ariel Henry donc que et en pile monde dans théorie que Ariel Henry docteur là pas réglé en rien sérieux, donc faut que docteur là lui-même y aller. Eh bien nous venons gagner donc élite
et politique là et les classes politiques là donc qui était déjà dans pouvoir ça fait 30 ans que il était là qui causait en pile dégâts avec un pays hein. Eh bien il vient qu'une chance pour que il réparer dégâts ça pour marquer l'histoire mais malheureusement non ouais que c'est pas ça qu'a fait là il vient joindre tout un premier ministre donc qui vient rouler mon dans farine au lieu que li prend toutes les dispositions donc pour que li gérer sécurité pays hein mais nous c'est mercenaire que li débarquer pour gérer sécurité tête li donc li pas croire dans et police nationale là li pas croire dans l'armée d'Haïti pendant que bandi yo même rete celle coq chanté donc un peuple abandonné dans eux même qui devini avec une promesse quartier par quartier ville par ville doit prendre sécurité mais nous c'est bandi yo qui marcher caille par caille qui détruit monde qui tire monde dans la caille. Eh bien, entendez Jean-Michel Lapin donc avec un pile attention donc qui est venu avec un pile détail de division ça qui existait entre deux têtes dans l'exécutif là amis famille. Bon, son bail qui était mal commencé, avec un leadership politique et qui gagne 9 et tête là donné on qui sorti dans 9 chapelles et politique. Et à l'exception de conseiller Galé Blanc qui ont ensemble de chapelles politiques derrière lui, mais les temps pour y habituer, il y en a clôture qui ont entendu sous des bagailles. Donc, pas de temps pour ça. Donc, l'idée mal commencé avec un leadership politique, comme ça dit là, qui pose un pile problème, sans effectivement pas d'un leadership de gouvernance publique. Donc, nous t'es passé avec le premier ministre Garry Conille, qui lui-même est à supposer pour tout bagaille là sous Anza, mais malheureusement, c'est pas ça qu'ils ont constaté. Donc, nous avons gardé des bagailles qui ont fait là et qui prend la rue, et c'est des nouveautés qui viennent gagner en dans branche pouvoir exécutif ça, côté au premier ministre, qui n'a peut-être pas d'après moi-même, penser que pour Mathieu, son mariage est indépendant de la présidence. Malheureusement, c'est pas ça lié, surtout dans la situation ça, quand on a gagné une cohésion totale, et quand on a gagné ça, de complicité dans toute action qu'a faite dans l'État. Et ça, moi, la complicité, hein. Donc, un premier ministre, à partir d'un canevas, et d'action sur les grandes lignes de chantier qui définissent un droit à quoi t'es doué avant exécution, t'es doué à Chita avec CPTA pour prendre approbation. Parce qu'en fin de compte, c'est responsabilité de tous les branches sur l'engagement que tu te prends. Oui, non, je comprends, diversité, si on a appelé ça comme ça, qui gagne un conseil présidentiel là, avec un pile tête, un pile leadership, surtout, puisque chaque là, il a pu évoluer dans une sphère politique, si on a appelé ça comme ça. Mais, c'est pas l'âge, nature, selon nous-mêmes. Non, c'est au niveau des gouvernances publiques, au niveau des gestions publiques. C'est des amateurismes, c'est deux groupes d'amateurisme. Malheureusement, c'est des mondes qui ont été dans une société. Comme des mondes qui étaient toujours à essayer du dehors et du temps, qui auraient été associés de gouvernance Jovenel, le président Jovenel Moïse, passé par gouvernance et Ariel Henry. Donc, toute cause là, c'est le fait que tout au départ, personne pas de connaître qui ça. Personne ne va le faire en termes d'action pour qu'il porte réponse à choix qui ont été faits dans les affaires de sécurité, dans les choix qui ont été faits dans l'obligation qui ont été faits pour l'élection. Parce que, il a dit, si on dit qu'on voulait faire, et si on voulait le faire, bien, le comment faire. Qui, c'est même qui est plus important dans la situation ça. Donc, moi, je t'ai dit tout sur le micro Magique 9 tout au début, jamais à la fête là, son bataille électorale qui commençait, nous pas qu'à négliger ça.
tout ce qu'on a fait là, c'est garder qui gens, c'est un groupe monde qui pensait fois ça encore, faut qu'il y ait contrôle l'État, contrôle une série d'institutions dans l'État. C'est ça peut-être yo maintenant tête yo qui capable porter yo rien prochaine élection qui va le faire là. Oui, on bataille pour prochaine élection, on bataille pour pouvoir, on bataille pour positionnement. Et mais est-ce qu'on pense les justes pour CPTA amputer responsabilité et manque d'action qui gagne dans gouvernement à uniquement gouvernement à unique manque d'action qui gagne décap dit par rapport à réalité pays là. A uniquement responsabilité gouvernement. Vous êtes considéré, vous-même, 10 ministres. Ah non. Là, moi, je crois que vous avez raison. Vous avez raison parce que responsabilité action, coordination action, proposition qui doit être faite par rapport à action, doit venir de primature. Et c'est ça qui doit être fait tout au début. Parce que le Premier ministre Garry Conille a une responsabilité pour prendre les grandes lignes de chantier, hein, sécurité, élection, etc., pour la garder, hein, qui a transformé en action. Et c'est ça qui a bali au moins possibilité pour faire choix de ressources humaines pour aller et dans le ministère. Donc c'est ça que nous-mêmes nous constatons qui pas fait et on attendait effectivement directeur cabinet à sous dans micro nous qui dit que yo rendu compte j'étais mal évalué situation. Donc bien au travail que y aurait l'état des lieux qui doit être fait et c'est état des lieux ça premier ministre qui doit présenter tout au début et même les potes qu'au gain ministre il doit faire adresse à la nation pour lui dire mais ça lui joigne maintenant qui situation lui joigne bagayo mais ça lui même qu'il proposait comme solution et c'est sous base proposition ça devra le monter une équipe gouvernementale pour porter réponse. Donc c'est peut-être lui même pas doué impliqué bien que il ait essayé faire il ait couru derrière au côté de joindre des conseillers cap dit tel chantier il a une compétence là dans il aurait de droit. Non, CPT pas dans action, au contraire, son CPT a fait un hein, bilan pâle qu'il fait par rapport à la situation globale pays a, c'est travail li, parce que pas gain au cag là, il dit qu'il t'a pris gain responsabilité. Donc, je pense effectivement et dans raison yo bien raison pour demander jodi a puis à regarder machine. Et moi te dis encore sur le micro magique 9 que le Premier ministre Garry Conille prend sous responsabilité li échec avec réussite transition parce que exceptionnellement dans l'histoire politique pays oui sous qui t'aime fini exceptionnellement dans l'histoire politique pays en matière de gouvernance publique c'est première fois un premier ministre gagne 5 ministères régaliens qui gagne contrôle et ministère ça yo. Quel que soit j'envirai les grandes lignes de chantier, quelle c'est sécurité, quelle c'est élection, yo déterminant en termes d'action pour effectivement yo porter réponse et solution à tout problème qui vient dans le pays. Donc, même si CPT a pas gagné un nombre considérable de ministres dans le gouvernement, c'est Garry Conille qui maestro au gouvernement. Donc, je vais expliquer, manque de résultats, il est imputé directement à lui-même. Justement, c'est ça. Il faut qu'on pas comprendre le fait que on ministre. Est-ce que ministre, c'est ministre CPTA ou c'est ministre secteur qui ont même été en d'accord? C'est des bagarres qu'on a laissé comprendre. Parce que depuis tout est début, et nous-mêmes, ouais, c'est chaque jour, les occasions présentées, on a laissé comprendre qui relation et conseiller ou bien président conseil a gagné avec secteur qui te voyé ou toujours et tout ce qui a dit pas une relation il a demandé pour retrait et conseiller il a dit pour gouvernement ministre gain yo secteur bien entendu par chita en conseil des ministres. Donc bon bataille faut que nous pas négliger bataille et conseiller CPT secteur te voyé donc et, même si ministre là en dans CPT, en dans gouvernement, moi pas quoi que c'est conseiller eux-mêmes qui gagnent des relations directes avec ministre. Donc,
Et là, nous avons un bagage technique. Hein? Et nous avons dit le tout sous Magic 9. Malheureusement, il a fait le contraire. Transition, pas permettre qu'on aille vers des compétences et quel que soit le niveau de compétences là, qui pourrait apprendre fonction ministre là, qui pourrait apprendre sa gouvernance publique, qui pourrait apprendre sa gestion publique. Il y a un bagage, nous pouvons le comprendre que la gestion publique, c'est une science liée, même genre toute l'autre science. Et il y a des réflexions qui sont universelles qui fait sur ça, côté Abdio, que de nos jours, la gestion est à la base de toutes les sciences. Quelle position PM Lapin sur quoi conseiller qui était impliqué dans le rapport ILCCO, réaction publique qui met en mouvement, et théoriquement, selon des avocats, nous parlons avec là, qui gagnent un statut d'inculpé et qui retranchent dans le CPTA et qui mettaient devant dans le cas. Il y a tout au moins un privilège que vous avez comme président pour vous répondre à une question à la justice. Moi, pense que, effectivement, conseiller Sayo, il a joué de sa nouvelle et de monde qui jouit de. Bon, je ne vais pas rentrer dans l'affaire, parce que pas qu'il y ait 9 présidents dans le pays, ça va exister. Donc, monde qui jouit de. Attribution ça, de tout ça qui vient avec en termes de privilèges, qui est l'immatériel, qui est légal, c'est le monde qui préside dans CPTA. Mais, c'est des hauts fonctionnaires de l'État. Et la loi dit, dans le cas ça, au monde qui gagne des hauts fonctionnaires et attribution des hauts fonctionnaires de l'État. Donc, bon démarche légale pour qu'il poutre devant la justice. Moi, penser, et moi, te dire, non, l'autre micro, et on l'a traduit dans la capitale là. Moi, je pensais que, au niveau, commissaire gouvernement, il désengageait trop vite et des dossiers. Parce que c'est lui-même, premier démarche là, qui était doué, et via mener justice là, solliciter présence n'exagère devant la justice. Donc, moi-même, pas avocat, mais son science, qui peut-être, qui toujours, des monalgades, des saliers qui ont évolué surtout en Haïti. Moi, fais des réflexions sur ça, sur réforme judiciaire. Donc, étant ça, moi, pensais que j'ai un dossier arrivé dans le cabinet d'instruction, et j'ai me dit là, bon travail qui était fait au niveau parquet Port-au-Prince, qui c'est représentation exécutif là, dans le pouvoir judiciaire là, qui pas fait. Donc, moi, pensais que, et bon côté dossier privé, donc juge d'instruction va faire face à ça, me sont dit à là, et au niveau de la défense, il est capable de déclarer que les compétences des juges d'instruction pour arriver effectivement sous 3 conseillers. Donc Jean, M. Liné Balthazar a été dit là, problème là est venu politique, hein. À ce moment-là, il faut qu'on solution politique qui doit prendre une solution ça ici en dans ce pays. Qui position par ou même? Est-ce que vous pensez que est-ce faut qu'il ait été en dans ce pays et présent sur contrairement à ça certains monde pas frère et pas fragiliser transition. Qui position par ou même sur ça? Moi, pense que j'ai une situation virée là, et que 3 conseillers, ça, effectivement, faut qu'ils aient quitté l'espace civilisé. Parce que, quelque soit, j'en viré là, ou, et qui tendance qu'elle apprend, des ministres, ils dit, qui étaient dit, on va prendre le siéger en conseil des ministres, et depuis le bail, ça, beaucoup de gens ont conseil des ministres qui fait, si je me rappelle. Donc, ou, secteur, qui ont même une position claire, ils ont demandé aux ministres de ne pas participer au Conseil des ministres avec les membres de CPTSA et ou garder position internationale par rapport au blocage qui s'est fait. Donc, pour porter aide humanitaire par le pays d'Haïti. Donc, à ce moment-là, ben, c'était au nom de la morale et politique. Donc, une décision qui vous prenez sans ça. Pour effectivement, et c'est à bonne occasion tout, que nous ramener conseil là, au lieu de 9 membres, à 6 membres, et puis tout, pour nous continuer transition comme ça.
ça nous pas obligé à remplacer personne nous passer me passer problème là c'est plus là faire remplacement parce que là où sorti là tout obligé sorti ou car bon l'autre 6 mois avant que on remplacer parce que dans secteur on grand pile goumer on voit un représentant Ben. Oui, bon, c'est difficile tout pour que vous quittez pas sur vacances, parce que en même temps, tout, le secteur n'a jamais trop fin accepté pour perdre le privilège. Mais dans les considérations que vous avez faites sur le statut conseiller présidentiel, vous avez tout le même statut. Le statut va différent du coordonnateur. Ce n'est pas le coordonnateur qui est le coordonnateur sur le statut président et qui est le système de fonctionner. Ça va être quelqu'un de nous, monsieur Lapin. Il va écrire aucun côté tout pour gagner le président. Faut prendre aspect légal question et faut prendre aspect matériel question donc un privilège même chèque même bagaille OK ou gen loi joindre de l'autre monde qui dans l'état il gen privilège qui plus haut le prendre aspect matériel question qui plus haut parce que au membre on conseiller présidentiel l'entreprise l'état il gen des employés directeur général moi gen un qui te dit que lui même dit c'est 10 000 dollars américains. Il y a des gens qui ont plus de salaire, c'est le conseiller président. Donc, son système pour nous revoir. Et c'est ça fait qu'il faut que vous ayez une crise à droite, une crise à gauche. C'est parce que privilège, hein. Depuis que vous avez niveau arrivé juste dans la tête là, il y a trop de différence entre vous qui fait que de temps en temps, on a demandé il faut que vous ayez plus, il faut que vous ayez plus et vous bloquez le système là. So avant de ben continuer passer à l'autre question, décret qui prend le 10 avril par le gouvernement M. Ria, t'es dit que parmi les critères pour mon vine mon CPT, il dit que faut que pas objet écrit actuellement, faut que pas objet de accusation, de poursuite et ni de condamnation devant en juridiction quelconque, quelque part un bar qui fixé pour être membre du CPT. Je présumerais, mettez le conditionnel, que même standard ça t'as imposable pour rester au CPT. C'est ça, c'est un monde à comprendre. Maintenant, si et ça a son standard et il a fait valoir ça comme un dispositif et imposable aux membres du CPT. Mais cependant, décret qui crée yo pas bail aucun mécanisme pour que yo ta dit monsieur yo et tout la koyo et mettez koyo à la disposition de la justice. Est-ce que pour une solution politique possible yo, et l'autre conseil yo gen on action yo ka poser, est-ce que ce sont les secteurs à par des partenaires internationaux qui participent dans la discussion. Comment et les options politiques possibles par rapport à problème ça avant de ben poursuivre avec d'autres questions. Donc oui, mais nous, que vous commencez à prendre position. M'a regardé, sinon je prends une position. Et Montana, sous question, Montana font plaidoirie, ils font état des lieux et effectivement, il y a une lamba à lui recommander. C'est mettre sous côté toi conseiller ça. Mais là, je dis à là, c'est ma impression que il y a une complicité au niveau CPTA, il y a des engagements qui l'un envers l'autre, c'est comme ça moi commencer comprendre qui fait que pas qu'à une décision et finale sur question ça. Donc toute bagarre là c'est dans le CPTA, donc c'est CPTA effectivement pour qui décider et prendre une résolution, hein, et donc 6 sous 9, lundi, yo relè engagement dans l'autre. C'est comme si t'as une solidarité ou bien un pacte entre yo? Oui, c'est une solidarité qu'elle est, ou t'es tendé, ou t'es contre position, avant qu'elle était président et M. Voltaire, qui t'a dit que lui-même, y'a tendé, ça la justice a dit, ça la pour LCC a dit, pour eux-mêmes y'ont positionné. Donc, depuis date là, rapport sorti, dossier a rentré dans la sécurité judiciaire, il y a des actions qu'a prend, et ouais, que jeudi a, il y a un président ce conseil là. Donc, il fait, il oublie ça le dire. Donc, ouais, c'est sûr que, il y a une solidarité, et dans ce sens-là, mais, bah, c'est pas qu'à Kimbe pour longtemps. De toute façon, pays a bloqué dans mes négos.
et yon nan bagay ki bloqué, yon nan zèl 4 primatia toujours râlé, effectivement c'est zèl 4 ça pour di nèg yo mon cher et sou besoin changer gouvernement nan pour que ça que nous pas porter solution à problème ça qui aux yeux de tout le monde qui grave aux yeux de tout le monde. Et là, t'as dit qu'on résolution, à compléter un peu dans le relation, que CPTA a pour résolution 6-9 pour décider qui ça. Et là, m'a dit qu'on peut pour décider de mise à l'écart et toi, à ce moment-là, ça permet facile pour être capable de faire la vérité et sortir, blayer sur la situation ça. Ben? Oui, monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà avec CARICOM, division qui gagnait entre Primature avec CPT, mettait en péril tout le processus de transition? Oui, à 100%. À 100%, parce que nous avons besoin de cohésion en train de brancher l'État. Ça, parce que là, il dit que le pouvoir exécutif a gagné son pouvoir à débrancher d'autorité. Président, c'est numéro 1, premier ministre, c'est numéro 2. Donc, le numéro 2. Donc, premier ministre, là, tout ça l'a fait. Nous, en transition, nous, en réception, moi, pensé pour le crayon harmonie, c'est pas arrêter, arrêter avec nous. La situation obligée de fonctionner, j'aimerais le dire. Moi, pensé que tout ça qui est pour le faire, faut que la convaincre M. CPTO sur l'orientation que la baille et gouvernement. Donc, en matière de gestion publique et de gouvernance publique, pour joindre l'approbation négo, et puis de tout le monde qui est impliqué, dans ce qu'on a fait, et dans ce qu'on a dit tout. Donc, nous, manque de cohésion ça. Les négo apprennent la parole, chaque monde a besoin de bagaille. Donc, effectivement, ça a bloqué le pays, et même gens, et Carré, comme dit là, même nous-mêmes, nous avons dit à travers et Micro Magique 9. Dernier point, vous aborder avec vous, c'est ça, nous voyons là, encore une fois, en correspondance au secrétariat primature, son réunion qui a fait hier, qui, d'après ça, dit nous reporté à la demande du Premier ministre, sous une compagnie qui a des expertises en matière de sécurité. Et si vous comprenez bien ça, il prend la rue et il combat le palampil. Et ça, certainement considéré comme un incident qui montrait qu'il y a une confrontation et la République au plus haut niveau dans la rue. C'est ça, certainement dit. Ou même qui appréciation et qui compréhension on est de ça. Bon, ça va regarder là, c'est pour ça que les dit que va regarder. Et un nouveau format de gouvernance publique a développé dans le pays. Moi-même, en tant que un technicien qui fait un pile temps dans le système, là, c'est apprendre. Parce que je ne peux pas comprendre. Et d'abord, il y a une invitation pour venir pour le ministre. Et les deux passés, il y a deux secrétaires généraux, secrétariat général présidence, qui a écrit secrétariat général et la primature. Pour dire inviter vos ministres à nos réunions. Donc, ça a montré, effectivement, un désaccord, et un désaccord qui est très profond. Et ça, c'est pour les barres qui me notent. Deuxième barre, me note tout. Une question comme ça, une question d'intérêt national, une question qui est liée à la sécurité publique, côté bien mon cap mourir, et mon cap mourir, et moi, dernier, c'était pour sonder, qui était très loin, monsieur, dame, ça, qui est responsabilité de l'État. Mais aujourd'hui, c'est dans Solino, qui n'est pas trop loin, et Grand Quartier Général, qui n'est pas trop loin, et Palais National, hein. Donc, et premier ministre, il n'est pas disponible. Moi, pensé, non, et je peux voir ça. C'est comme ça, il est toujours, pour petit moment, on président, et un premier ministre. Pour une urgence, ça, moi, considère une urgence, parce que, ça, est préoccupant. Moi, pense que le premier ministre, là, qui doit mettre disponible, c'est un tenant pour la réunion, ça, pour le porter explication. Parce que, c'est responsabilité, premier ministre, là, pour lui chercher solution
avec tout problème, mais moi au quoi par rapport à situation ça, lui mandé implication et CPTA, il était doué informer avant que soi-disant mercenaires ou bien formateurs de à partir de un groupe de sécurité privée, parce que ça qu'a fait là là, il est pas fait dans cadre coopération internationale. Donc moi pense que et fait 200 moun rentrer si chiffre là c'est ça lié on compagnie de sécurité privée li gagnen yon responsabilité ou engagement à des niveaux hein et surtout à niveau économique parce que négo c'est pas pour gratis qui vinn là qui ça contrat ça y est et combien cob contrat ça a coûté l'état haïtien donc moi pense là son c'est vraiment joué ti moun k'a joué en deux groupes ça yo qui peut-être prend vie moun qu'a subi ça a subi à la matière de sécurité publique donc yo prend bala bon jouet pendant ces temps yo même yo protégé à 100% laisse ça passer est-ce que chef gang yo supposé aller d'autres avec cigare pour y fumer parce que ça fait leur affaire et selon certains monde monsieur Lapin on partage lecture ça ou pas. Mais oui, parce que vous avez regardé, et au départ, il a été annoncé dans le pays, que le premier contingent force et multinationales a rentré, où il a commencé à panique qui gagne, car c'est un chef gang, hein. Il était même à gagner, on a docteur arrivé dit, il est d'accord qu'il était mal comporté, il a fait des ordres, mais c'est pas une raison, il a voulu chercher étrangers pour venir tout. Donc, il a gagné en panique. Donc, il a regardé, hein, pas fait, hein. Donc, ouais, c'est des amateurs qui viennent rentrer dans le bagage, qui gagnent plus l'importance. Donc, ils ont déployé. Ils ont déployé. Oui, je dis, ils ont gardé. Dernier aspect, pardonnez-moi que je mette en pour. Là, nous avons un domaine qui est très complexe. Nous avons parlé de sécurité, nous avons chef CSPN, et dernier aspect, ça faut que nous abordions avec vous. Premièrement, arrivée de cette nouvelle équipe et après la mésaventure et sa crivée, j'ai débarrassé de Complinex et de Monsieur Ariel Henry. Nouvelle gouvernance, ça, c'est quoi que pour moi, faut qu'il change chef la police et des monde qui malheureusement toujours fait erreur de individualiser les problèmes alors qu'il nous faut des systèmes, des organisations, des institutions qui pourraient résoudre des problèmes aussi complexes qu'il y ait à la sécurité publique. Bon nouveau chef de la police, monsieur Normil, et où souligne à juste titre qu'arrivée mission multinationale appuyée à la sécurité a tégon sentiment d'insécurité, il a commencé à provoquer qu'il y a des chefs de gang. Mais on a compris après la débâcle de Gantier, et on a compris avec une force qui déjà a investi 300 millions de dollars américains pour lui. Les Américains ont déjà investi d'après ça 300 millions de dollars américains pour construire une base qui coûtait presque 40 millions de dollars, si ma mémoire est bonne, et si je me souviens des chiffres que Mteli n'a CNN n'a pas une capacité d'accueil d'après sa autorité, on dit de 1000 policiers et uniquement. Et là, on gagne plus qu'on impression que l'apport de force là, il est beaucoup inversé. Il y a une succession d'exemples. On parlait de Poissonder et Solino là actuellement, au mois de fermeture des opérations au niveau de l'APN qui est installation de terrain en Bakoudzam. Donc, une série de problèmes qui posaient là. Maintenant, premièrement, est-ce que en vraie fausse assistance internationale nous gagne via la MMS, est-ce que c'est notre police qui est une police civile qui est civilement et pénalement responsable qu'il faut revoir dans son organigramme et sa capacité d'engagement qui peut porter des solutions. L'armée d'Haïti, nous avons un embryon de l'armée, et là, on a parlé de l'Haïti comme si nous avons son belle blague, et nous connaissons pendant 30 dernières années, ça, depuis le coup d'État 1991, c'est une institution qui est en paria qui n'a pas accès à des équipements militaires, alors que sur le terrain, nous avons une réalité de violence et d'action des gangs qui pratiquement sautent dans le schéma classique d'opération, classique de police. Maintenant, lorsque tout ça, devant vous regarder les réponses que vous évoquez là, est-ce que c'est jouer à continuer à jouer avec la vie, ou bien vous continuez à faire semblant, et M. Lapin, quelle appréciation? Bon, je ne vais pas analyser
répondre, il est très bon. Et on a retourné dans la déclaration du directeur de cabinet hein, qui dit que d'accord, il a fait une mauvaise appréciation de situation de sécurité. Et moi, pensé depuis le premier ministre Ariel Henry, moi, j'ai rendu une proposition publique, côté qui me dit, situation mandée, on apporte des solutions à de nouveau. D'abord, la sécurité publique et la défense nationale. Donc, sécurité publique, là, son approche de police, douée, mais défense nationale, là, son approche militaire. Parce que nous, dans la guerre, nous pas qu'à penser, nous avons des solutions pendant que nous dans la guerre avec la police. C'est avec l'armée. Deuxième bagage que j'ai ajouté dans toute sorte d'IA, moi, pensez tout que l'infrastructure qui t'a créé pour force multinationale là, il pas répondre avec réalité. Hein. Comment vous voulez que y a fond base des forces des multinationales seulement dans Port-au-Prince? Moi pense que faut que tu gagnes des infrastructures de proximité parce que pour yo sortir Port-au-Prince pour y aller effectivement et dans la Tibonite, faut que passer garder sur toute route là, c'est une multitude de gangs qui gagnent donc faut que Jodia ça mandé que pour gagner yon des infrastructures de proximité qui capable permettre yo que yo été présent et dans zone yo hein gagner poser toute question comment faire gagner académie militaire ou bien académie formation de police en bas et effectivement dans entourage yo gagner yon gang qui existait donc ça pas doit faire. Donc, moi, pense, Jodia, effectivement, j'en sors de là, donc, démarche là, les plus à jouer à réalité, et les mettre en danger, effectivement, tout le monde dans la population. Jodia, faut que à regarder bah, là, et pour porter, effectivement, des réponses appropriées à partir des véritables mondes qui doivent là pour porter, et force de frappe, pour porter danger, vers gang yo. Mais ça n'a pas gardé à là, c'est le contraire qui a fait, c'est gang là, qui a porté danger à la population, et c'est gang là tout qui a affaibli gouvernement, ou bien, et dynamique de gouvernance que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Lapin. Merci, bonne journée. Yon côté pays Salvador qui gagne bataille contre gang yo qui te veut ba nou yo coup de main et bien gagne congrès et pays Salvador qui approuvé pour voyer troupes pour venir soutenir Haïti qui a souffri en bas violence avec la domination gang yo et bien assistance ça a pas concentré sur opération évacuation médicale et dans collaboration avec force multinationale là qui déjà dans pays et bien et décision ça li ratifié avec un 57 en vote sur 60 sur 60 et bien permettre mission multinationale à l'appui sécurité donc en haïtien joindre un soutien pays El Salvador donc malgré et que pas gain détail sur mission yon officiel nan ministère affaires étrangères te confirmé que pays Salvador a offri support pour mission sécurité avec opération et évacuation médicale donc le président Bukele donc a te déclaré li ka aidé résoudre crise là donc si li gain approbation locale donc en Haïti avec Nations Unies mais ça a demandé yon résolution dans conseil sécurité donc Nations Unies Conseil sécurité Nations Unies donc Conseil sécurité Nations Unies donc a été prolongé pour une année donc en mission policière multinationale qui visait pour aider police et nationale haïtienne bien reprendre et contrôle et sous zone et gangio donc en mission a pas travail pour stabiliser et à renforcer sécurité dans pays bien pendant donc là livrer respecter donc droit ak loi internationale yo zanmi famille a noue la kayo donc c'est donc li la pour respecter donc loi li la pour pendant que li la pour respecter loi internationale ak an droit moun nan pays d'Haïti donc zanmi famille yo. Donc, nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Si vous avez peine tombé sur le channel, n'oubliez pas d'abonner abonner, pèser le bouton de notification pour ne pas rater aucune vidéo pour qu'elle vienne faire partie de famille ça. Et nous saluons tous nos amis qui sont un peu partout dans le monde, qui toujours pas nous love, qui t'a moyen, moi, pour jouer dans la prochaine vidéo qui apparaît sur l'écran, que moi invité à cliquer.